Permettre aux orphelins de vivre la magie de la fête de Noël, c'est le but visé par l'association Aimons-nous vivants en procédant dans la matinée de ce samedi 24 décembre 2022 à la distribution de vivres aux orphelins de l'arrondissement de Glodigbé. Les défauts de nos moyens des uns et des autres en période festive, notamment celui des orphelins de père et ou de mère au niveau de notre arrondissement, ont fait que chacun fête de sa manière. Des centaines d'orphelins n'ont jamais eu la chance de prendre le cadeau de Noël et ne savent pas ce qu'est la joie de la nativité. Un geste à l'endroit des âmes innocentes qui, dans la fleur de l'âge, ont perdu leurs parents est un acte divin. Du côté des partenaires de l'association Aimons-nous vivants, c'est un devoir de venir en aide aux associations qui militent pour le bonheur des enfants orphelins. Et nous avons le droit d'assister M. Gbevi parce qu'il est en train de mettre dans les cœurs des enfants la joie qu'il faut à la veille d'une fête, la fête des enfants. Cette fête, c'est la fête des enfants et surtout, son édition, c'est pour aider les enfants démunis, orphelins. Et nous sommes là pour l'aider et pour l'assister aussi avec les enfants. À la suite de la cérémonie, parents et enfants manquent de mots pour remercier les donateurs. Grâce à la générosité de l'association Aimons-nous vivants et de ses partenaires, ces enfants orphelins de l'arrondissement de Glodigbé sont assurés de passer de bons moments de fête.